Bon vendredi. La situation s'envenime à percer. Depuis les derniers mois, les travailleurs de la municipalité disent en subir les répercussions. Un grief syndical a d'ailleurs été déposé contre la mairesse pour dénoncer son comportement. Félix, l'attitude de Cathy Poirier est pointée du doigt. En effet, j'ai rencontré le directeur des travaux publics hier pour en discuter, du grief syndical collectif dans lequel on décrit des gestes d'agressivité envers les employés de la ville. On parle, par exemple, de jurons, de grognements ou même des moments où la mairesse tape des mains de manière agressive lors d'excès de colère. Tous ces comportements auraient commencé en octobre 2023 et de façon plus marquée depuis la suspension avec solde du directeur de l'urbanisme, Ghislain Pitre, qui est aussi le conjoint de la mairesse. C'est littéralement un climat de terreur, selon certains employés municipaux à qui j'ai parlé. Il y a eu des situations qu'on était dans des bureaux en conversation, puis à leur rentrée sans cogner, en chiolant, puis taper des mains sacrées, maudite équipe de marde, plein de choses comme ça. C'est pas tolérable, ça. Puis tous les employés ont confirmé ces choses-là. Et Félix, le grief déposé est aussi appuyé par des conseillers municipaux. En effet, le conseiller du secteur de Val-d'Espoir, Michel Rael, dit parler au nom d'autres conseillers et appuie les employés de Percé. Ce dernier dénonce le même climat de terreur au sein du conseil municipal. Il avait d'ailleurs porté plainte contre la mairesse Cathy Poirier lorsqu'elle l'avait traité d'idiot en pleine séance de travail devant ses collègues. Le climat est rendu vraiment lourd. C'était dans un état qu'on a de la difficulté à faire notre travail, à avancer correctement. Ça fait que c'est un climat qui n'est pas acceptable dans une ville comme ça. La mairesse Cathy Poirier a déclaré attendre la fin de l'enquête de la Commission municipale du Québec avant de se prononcer. Elle a refusé de nous accorder une entrevue concernant le dépôt du grief syndical. J'aurai d'autres commentaires et d'autres détails à vous présenter au bulletin de ce soir. Merci, Félix. Au revoir. Au revoir. À Rivière-du-Loup, un propriétaire d'immeubles à logement exprime ses inquiétudes face à un projet d'expropriation du ministère des Transports pour la construction d'un pont temporaire. Ariane, ces travaux risquent de perturber les locataires ainsi que la viabilité d'immeubles. Et c'est un coup dur pour les locataires qui vont perdre leur stationnement et leur cour arrière. Une résidente m'a même avoué son désarroi face à la situation, étant donné que ce sont principalement des familles et des personnes moins fortunées qui résident à cet endroit. Le propriétaire redoute le départ de certains d'entre eux et le ministère doit procéder à la réfection du pont d'amour et aménagera un pont temporaire qui débouchera dans le stationnement même de l'immeuble. Le trafic va augmenter considérablement. On parle d'une rue qui est très passante, qui va passer dans notre terrain. Les locataires, sûrement, qui vont avoir de la difficulté. L'été, ça va être beaucoup plus bruyant. Et Ariane, le ministère là, qui compensera le propriétaire ainsi que ses locataires. C'est exact. Le propriétaire recevra 10 000 $ sur 5 ans de la part du ministère pour l'obtention du terrain. Simon Lavoie indique que le geste est considéré comme ridicule, lui qui a refait l'asphaltage du stationnement pour 15 000 $ Et pour les locataires, c'est seulement 100 $ qui leur sont attribués. Il est important de noter que le ministère n'assumera pas les coûts d'assurance de l'immeuble qui augmenteront considérablement. Que le projet se change, que ça s'en aille ailleurs, qu'il fasse d'autres démarches ou qu'il nous dédommage amplement, qu'il nous protège au moins. Ce serait... Mais là, on n'a aucune protection. Et le ministère prévoit débuter les travaux en avril 2025. Nous attendons un retour du ministère des Transports du Québec. Merci, Ariane. Merci à vous. Le traversier, le Corrigan, qui fait le lien entre Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Just-du-Lac, fait face à des défis financiers importants. La prochaine saison pourrait être menacée. Charlène Gros. L'avenir de la traverse du lac Témiscouata est à nouveau en eau trouble. Le financement-là de 3 ans est terminé et on n'a pas vraiment de nouvelles pour le renouvellement de ce refinancement-là pour un autre 3 ans. Cette année, on demande un financement de 120 000, c'est-à-dire 40 000 par année pour les 3 prochaines années. C'est ce qu'on demande. Je pense que c'est raisonnable. Malgré la situation financière précaire, la prochaine saison de la traverse démarrera comme prévu en mai. Cependant, les défis s'accumulent. La traverse, pour cette année, c'est remis en question. Je veux dire, on n'a pas le financement. On absorbe des dépenses supplémentaires quasiment tous les mois. Mais notre fonds de roulement, bien, c'est sûr qu'on n'aura plus là, si on ne peut pas commencer l'année comme ça. Parce qu'à chaque année, on se demande si on va démarrer. L'identité et la nécessité du traversier sont au cœur des préoccupations de la population. Même on a de la famille de l'autre côté, puis c'est important de pouvoir aller voir facilement. C'est le seul moyen. Les gens qui travaillent l'autre bord,
OK? Puis il faut qu'ils viennent travailler à l'hôpital, là. Ça leur fait faire un grand, grand détour. Ça dépend toujours de la nécessité de la population, hein. Tu sais, ça fait partie de la culture d'ici, là justement, là, la traverse. Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, conscient de l'impact du traversier sur le développement touristique, envisage des projets qui renforceraient son attrait, notamment une piste cyclable autour du parc national. C'est sûr que pour nous autres, c'est une attraction, c'est une infrastructure importante au niveau là, du développement touristique. Et c'est important que le traversier soit là, justement pour desservir les familles. Dans un contexte d'incertitude, la question d'un éventuel financement récurrent émerge. La CEPAC bénéficie des impacts positifs, effectivement. C'est sûr que ça serait un partenaire naturel pour nous par rapport du gouvernement provincial. La Corporation de la Traverse a interpellé la députée Amélie Dionne pour qu'elle fasse pression sur son gouvernement. Charlène Gros, CNT TVA, Témiscouata-sur-le-Lac. Le CIUS de la Capitale-Nationale prolonge à nouveau son plan de contingence en obstétrique à l'hôpital de la Malbaie. Le bris de service se poursuit jusqu'à dimanche inclusivement. La procédure demeure la même. Les femmes enceintes qui doivent accoucher seront transportées par ambulance au CHU de Québec. S'il est impossible de transférer une patiente, notamment parce que l'accouchement est imminent, la mère pourra donner naissance à l'hôpital de la Malbaie. Le personnel infirmier et médical en obstétrique sera disponible sur place. La maman sera toutefois transférée par la suite. Un propriétaire de chalet de New Richmond trouve absurde d'être facturé pour la collecte des matières résiduelles alors qu'il ne bénéficie pas du service. La municipalité a décidé d'imposer une taxe en ce sens il y a 2 ans pour être équitable envers tous les contribuables. Patrick Giguère. C'est inacceptable. On suit aux élus, puis ils inventent des taxes pour nous taxer sans offrir le service. Michel Légaré est dans tous ses états. Le résident de Maria est propriétaire d'un chalet depuis une quinzaine d'années au lac Harriman à New Richmond. Il n'en revient pas de se faire imposer une taxe d'une centaine de dollars annuellement pour la collecte des matières résiduelles, alors qu'il ne bénéficie même pas du service. Pour le comptable, ça ne passe tout simplement pas. C'est pas un gros montant, c'est une question de principe. C'est 140$ pour... 2024, je pense que c'est un entour de 120$ pour 2023. M. Légaré a communiqué avec l'administration municipale pour faire part de son mécontentement. Il ajoute même qu'il dépose ses ordures lorsqu'il revient à sa maison de Maria. Malheureusement, le système, on n'est pas encore rendu à charger au poids que les gens produisent. Est-ce qu'un jour, ça sera rendu là? Le maire de New Richmond comprend, mais il faut dire que la ville de New Richmond n'est pas la seule à imposer une taxe de la sorte aux villégiateurs. Le conseil municipal alloue quelques 600 000 $ annuellement pour la collecte des matières résiduelles. On en voit de plus en plus de gens qui ont des chalets de villégiature hors du réseau. Ils produisent quand même des vidanges, des déchets, puis ça nous coûte de plus en plus cher là, au niveau de l'enfouissement. Ça fait qu'on a appliqué cette tarification-là, là, nous autres, depuis 2 ans. Éric Dubé ajoute même qu'il serait irréaliste de faire du cas par cas. Quelqu'un pourrait me sortir, « Ouais, ben moi, je suis parti 6 mois dans le sud, puis ma maison est vide, je produis pas de vidange. » Mais tu sais, on va te dire, je vais te charger la moitié des taxes parce que t'es pas là. Que cela ne tienne, Michel Légaré n'entend pas en rester là. Il songe à se présenter au prochain conseil municipal pour faire valoir ses arguments. J'aimerais ça qu'on va qu'on taxe n'importe qui pour n'importe quoi, qu'on réfléchisse un peu, là. Je pense pas que le conseil va reculer sur cette tarification-là. Si on se fie au maire, c'est une affaire qui semble déjà enterrée. Patrick Giguère, CHAU TVA, Maria. Remorquage Ed Bunston, bien plus que vous l'imaginez. 24 heures, 7 jours sur 7. Sur courte et longue distance. Service efficace. Remorquage lourd. Pour un service de pro fiable et rapide, contactez Remorquage Edmundston. Un athlète ou une équipe sportive a réalisé une performance hors du commun, envoyez-nous son nom et une description car CIMT veut mettre en lumière l'exploit de la semaine chaque vendredi dans les sports du TVA Nouvelle de 18h. L'exploit de la semaine, une présentation de Structure CD. Je suis propriétaire d'une petite entreprise, mais en ce moment, le marché du travail est assez difficile. Alors, j'aimerais améliorer les conditions de travail de mes employés en leur offrant une assurance collective. Sauf que je m'y connais pas vraiment. Donc, pour faire le bon choix, j'ai besoin d'analyser toutes les possibilités avec un conseiller d'expérience. Les services financiers Richard April et Associés. Parce que la vie, ça se planifie.
Décoration GL Floor Déco, l'adresse par excellence pour tous vos besoins d'appareils de plomberie. De la cuisine à la salle de bain, vous y trouverez tous les items recherchés pour créer les ambiances les plus tendances. Douche, baignoire, vasque, évier, robinetterie et accessoires, rien n'est laissé au hasard. Décoration GL Floor Déco, la référence en appareils de plomberie. Constatez-le par vous-même au 87 Boulevard Cartier, Rivière-du-Loup. Cette mélodie, vous l'avez tant aimée. En ces instants d'émotion où quelqu'un vous manque, Paul Beaulieu et Rock Fleury de la résidence Jean Fleury et Fils Orchestre pour vous la suite des événements. Nous nous soucions de vous. Notre empathie sincère, nos services et notre suivi si complet sont là pour vous soulager de tout le travail stressant que représente une succession. Résidence funéraire Jean Fleury et Fils, la douceur d'une mélodie qui va droit au cœur. Pour votre nouvelle thermopompe et le meilleur service après-vente, Ré-Réfrigération, dépositaire Carrier. Les sports, une présentation de Meubles Tardy, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Meubles Tardy, pour le meilleur et pour le prix. Le blizzard du séminaire Saint-François ravit les honneurs de la demi-finale de Division 2 par 2-0 hier, l'emportant 6-5 devant les Albatros du Collège Notre-Dame au centre Premier Tech à Rivière-du-Loup. Zach Parisé avec 2, Loïc Galland, Alexis Poirier et Antoine L'Italien ont été les marqueurs des Albatros. Tout n'est pas terminé pour eux. Ils se dirigent maintenant vers la ronde de repêchage. Ils disputeront leur prochain match mercredi contre un adversaire qui reste à déterminer. Ils ont cru, c'est ça l'important. On a tiré de l'arrière en startant, un peu comme on l'a refait là-bas. Puis ils ont continué à travailler. Les unités spéciales ont été présentes. On a 3 buts en avantage numérique. Je ne sais même pas si c'est arrivé une fois cette année. C'est que les gars, ils croient, ils donnent tout ce qu'ils ont. Puis on a passé proche. On a 8 buts en 2 games contre la meilleure équipe dans la ligue. Il faut se valoriser de ça puis croire qu'on peut en scorer contre d'autres équipes aussi. C'est la fin de la saison régulière dans la Ligue junior A des Maritimes. Hier soir, le Blizzard d'Edmundston l'a emporté par la marque de 4-1 contre les Red Wings à Fredericton. Les deux équipes s'affrontent à nouveau ce soir, cette fois du côté d'Edmundston. Les Tigres de Campbellton, pour leur part, recevront West Kent. Pendant ce temps, les Rapides de Grand Sault joueront à domicile contre Miramichi. Il ne restera ensuite qu'un seul match à jouer pour toutes ces équipes avant le début des séries. Rappelons qu'Edmundston est meneur de la division. Les Tigres de Campbellton figurent au 5e rang au classement, alors que les Rapides de Grand Sault sont derniers. Les Jeux du Québec se poursuivent à Sherbrooke. La discipline à surveiller encore aujourd'hui est le patinage de vitesse. Plusieurs patineurs sont en action ce matin pour les qualifications à l'épreuve du 500 mètres. Toutes les filles de l'Est du Québec, sans exception, se sont qualifiées pour les finales A. Elles pourraient donc monter sur le podium cet après-midi. Yoann Perron s'est classé pour sa finale A également. En ce qui te font, l'équipe régionale, dont Augustin Mercier de Rivière-du-Loup fait partie, passe en finale. Et en terminant, la judoka Juliette Pérusse de la Malbaie s'est méritée la médaille de bronze hier dans la catégorie U16 chez les moins de 63 kilos. La météo, une présentation d'Accent Meubles Déco Centre Levasseur. Alors, vendredi, on a le droit à un très beau vendredi. Ça sent presque le printemps. Alors, c'est tellement agréable, Jean-Philippe. Hein? C'est lumineux en cette journée internationale de la femme. À l'ouest, c'est doux, avec des mercures là, qui se situent entre moins 1 et jusqu'à 3 degrés dans le positif. À l'est, c'est aussi un ciel bleu. Là. C'est toutefois venteux là, sur les maritimes avec une bonne possibilité de neige. Toujours là, aux îles de la Madeleine, mais très doux, entre 1 et jusqu'à 4 degrés dans le positif. Alors, bien, on avance aussi l'heure. Hein? C'est, donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors ça, c'est à prévoir. Et aussi, on prévoit aussi une bonne dépression là, qui sera un peu plus au long terme. Mais là, ce soir, bien, c'est très calme. Ciel étoilé un peu partout sur nos secteurs. C'est même plus doux à certains endroits, là, entre 7 et moins 8 degrés. Donc, très stable, sauf sur Edmundston où c'est plus saisonnier avec moins 14. Maintenant, plus à l'est de votre côté aussi, c'est les mêmes conditions de ciel. Ça va se dégager aux îles de la Madeleine avec des mercures entre moins 4 et jusqu'à moins 14 degrés demain. Alors, il va y avoir un ennuagement là, graduel au cours de la journée sur nos secteurs un peu plus à l'ouest, mais on voit que les vents du sud vont teinter nos mercures encore plus dans le positif, entre 3 et jusqu'à 6 beaux degrés, alors que plus à l'est, là, en Gaspésie, Nouveau-Brunswick, vous aussi, là, ce sera très, très beau partout. Il n'y a rien à dire, hein? Soleil parfait là, sur les îles de la Madeleine et de 2 à 4 degrés dans le positif. Donc, une très belle journée en perspective. Au long terme, j'aurai d'autres détails ce soir. Donc, en fin de semaine à noter, on change l'heure et on attend la tempête. Voilà. Merci, Francis. Ce soir. Alors voilà, c'est complet. Je vous retrouve en fin de journée pour d'autres nouvelles sur vos régions. Bon après-midi, au revoir.